Bonjour à tous, ici Agathe MC, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien et bienvenue dans cet épisode numéro 5 sur Assassin's Creed Origins. Ah, je l'avais déjà cette lune, ok, très bien. J'étais en train de me demander. Ah bah écoutez, bienvenue dans cet épisode numéro 5 sur Assassin's Creed Origins, j'ai dit n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai dit les gars? Oh là là là, c'est tellement, tellement. On s'emballe tellement quand on tombe plein d'épisodes comme ça. Non, nous sommes sur Super Mario Odyssey, les amis. J'ai dit Assassin's Creed Origins, mais n'importe quoi, pour vrai, je sais même plus ce que j'ai dit. Bref, donc bienvenue à tous dans cet épisode numéro 5. On va continuer notre aventure, n'est-ce pas? Je vous rappelle que notre objectif est donc d'aller chercher plus de pièces en forme de coquillage pour avoir la tenue complète donc pour nager. Puisqu'apparemment, ça nous a été demandé. Donc, il faut qu'on aille. Alors attendez, je sais plus du tout où est-ce que c'était. Parce que c'est pas que ça a pas sauvegardé complètement, mais. Ah, j'ai foiré mon coup. Attendez, au pire, on va passer par là. Ouais! Ah, bah regardez, il y en a là. Allez, vas-y, hop, hop. Il nous en fallait 9. Allez, faut encore qu'on en trouve une. Ok. Ok, bon, j'ai foiré. Où est-ce qu'il faudrait qu'on aille? Je sais pas comment aller. Ah, je crois qu'il faut vraiment qu'on aille là-bas en fait. Ouais. Il y avait quoi déjà ici? Il n'y avait rien, à part des sous. Bon, alors. Voilà, je crois que c'est bon. Donc là, on va descendre. Allez, vas-y, nage, nage. Ah, putain, évidemment. Allez, cherche un peu de vie là. Enfin, de bulles d'air. Yeah. Allez, va une fois par là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh yes, on a une lune. Cool. Hop. Maintenant, il faudrait qu'on retourne là-bas à droite, hein. Ouais, là-bas. Les algues nous en veulent. Là, nous avons un chip-chip. Voilà, nickel. Et nous revoici ici. Alors, il faut qu'on recommence apparemment les croissants de lune, puisque ça n'a pas bien sauvegardé. Mais bon, écoutez. Montez. Hop. Ah, il est juste un peu sonné, mais ça va. Où est-ce qu'il est notre ami Chip Chip là? Ah, il s'est barré. Voilà. Alors, moi, il faudrait que je trouve absolument. Ok, bon, c'était juste pour avoir des pièces. Ah là, nickel. Nous avons un petit cœur ici. D'accord, donc on peut attaquer, c'est cool. Ici, il y a quelque chose en revanche. Oh, bah il a disparu. Bon, attendez. Là, nous avons un petit croissant de lune là. Voilà. Nickel.
Nickel. Il nous en faut encore deux croissants de lune. Sauf que moi, je sais pas où ils sont. Alors, ce serait peut-être derrière. C'est juste pour avoir des sous. Tac, 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 tac. Ok, donc il n'y a rien par ici. Ok, super. Par là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une porte. Ah, salut toi. Ah, vous m'avez trouvé. Oui, ça mérite un petit quelque chose. Prenez ceci. Ah bah, elle m'a donné une lune. Ok. Parfait. Ok. Oh, la richesse, les gars. La richesse. J'aurais préféré trouver un croissant de lune, mais voilà. Qu'est-ce que tu cherches? Moi, je sais, moi, je sais. Course aux notes dans la falaise. Mais où est-ce qu'elle est cachée? C'est pas moi, faut chercher. La boutique est à l'étage. Voyez la terrasse, elle est encore au-dessus. Comment faire pour monter? Il suffit de nager, mon ami. L'eau est là pour cela. Ouais. Ah, c'est trop profond, d'accord. Ok, bon, on va remonter là. C'est pas la peine qu'on se noie, hein. Si Capi nous dit ça, on va l'écouter. Oui, ok, bon, écoutez, hein, je sais pas où allait l'autre lune, enfin les deux autres lunes. Oh, regardez ce qu'il y a ici! Yes! Bah voilà! On peut aller acheter maintenant le reste de la panoplie, comme ça on va pouvoir rentrer dans le truc. Nickel! Allez, vas-y, rentre, mon petit Mario. C'est ici que ça se passe. Voilà, et moi j'ai besoin de ça. Ah, ça coûtait 10, ça coûtait pas 9, hein, attention. Je me change. Voilà, c'est bon. Happy Day 2. Il a des palmes, regardez-le. Comment je quitte? Ah, c'était par là. Ok. Normalement, je nage beaucoup plus vite comme ça. Faut voir une fois. Ah, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais normalement, on devrait pouvoir accéder à la zone là. Voilà. Alors vas-y, essaye maintenant. Pour bien profiter du pays, du lac, il faut porter une tenue adéquate, voyez-vous. Je ne laisse entrer dans la salle de la robe de nacre que les visiteurs disposés à se mouiller un peu. Vous êtes super, toute l'élégance d'une tenue de bain bien portée. Entrez donc. Nickel. Comme quoi, il faut toujours parler au PNJ. Hein. Ah mais le souci, c'est qu'en fait, il n'y a rien. Alors ça scintille mais je peux rien faire en fait. D'accord. Je peux vraiment rien faire. Ok, bon. Je ne peux rien faire les gars. Pourtant Mario regarde la truc hein. Ah c'était ça qu'il fallait faire, il fallait rester appuyé. D'accord, donc c'était juste pour choper une lune. Bon à savoir. Nickel. Allez, on ressort. Et on va rester en tenue de maillot de bain. Si je lui reparle, qu'est-ce qu'elle dit? Bonne visite, ok, très bien. Nous, par contre, il faut qu'on aille... Alors, il faut que je me souvienne. Il faut que je me souvienne où on doit aller. Ah, on devait aller là-haut. Ah oui, c'est par au-dessus qu'il faut qu'on aille. Ok.
C'est par là. Nickel. Voilà, montons, 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 montons. Ça c'est quoi? Ok. Oh, une lune cachée là-dedans. Genre, t'es sérieux? Attendez, parce que là, il y a quand même... Voilà, il y a quand même ça que je voulais récupérer quand même, faut pas déconner. Hop. Ouais. Ah merci. Tac. C'est bon, je peux l'atteindre. Ah, donne-moi la lune. Surprise dans la caisse. Effectivement, c'était une belle surprise. Je ne m'y attendais point. Là-bas, nous avons quelque chose. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Ah ah! Ender, regardez! Je garde la tenue que j'ai dans le jeu HD. Enfin, dans la version normale, quoi. Non, 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 non! Ah putain, j'ai foiré mon coup. Est-ce que je peux recommencer? Attendez, j'ai foiré mon coup. Ça, c'est pour avoir une lune, ça. Oh putain, 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 vite! Non, mais. Mais non! Mais non! Cette fois-ci, j'en ai rien à cirer, je l'aurai. Voilà! Ah, c'était pas compliqué! Yes! Ok. Ce n'est pas si horrible d'être tout plat en fait. On s'habitue. Putain, Mario est cool alors qu'il a une bouée. Je pense qu'il faut qu'on aille là-bas. Ouais, regardez, il y a une lune ici. Ah, il y a un Goomba marié qui vient me m'attaquer. Ah, non, d'accord, ok, c'était un leurre. Viens par là, toi. Hop. Ah ouais, donc effectivement, on ne peut pas... Il n'y a pas assez de Goomba. Je ne pourrais pas faire ce que je veux. Alors déjà, ça, ça nous fait un checkpoint. Ah voilà, là, il y a un peu plus de Goomba, là. Ils ont respawné. Hop. 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 Nickel, merci. Allez, venez là. Tac, 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 tac. Oh, regardez, il y a une lune là-bas enfermée dans une cage. Il faut qu'on y aille. Hop.
Ah, moi, le petit cœur. Aïe. Qu'est-ce que nous avons? Wow. Il a failli m'attaquer. Ah, ah, ah. D'accord, c'est un passage. Ouah, moi les sous-sous. Yes, on a obtenu une lune. Nickel. Y'a pas d'autre passage? Non. Tu penses bien. Alors par contre, nous, il faudrait qu'on arrive à aller là-haut. Ah, comment faire, je ne sais pas. Tiens, là, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah, d'accord, c'était pour avoir des pièces. Super. On est bientôt à 50, hein, je sais pas si vous avez vu. Oh, ça, c'était stylé, ça. Ça, c'était stylé. Ah, il y a quelque chose là en bas. Je ne sais vraiment pas comment aller là-bas. Hein. Mais je pense que c'est à coup de... À coup de ce genre de truc là, vous voyez? Du coup, il faut qu'on repasse par là. On n'a pas le choix, il n'y a pas de raccourci. Hop, nage, vas-y, 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 vas-y. Hop, hop. Ah, c'est bien, en même temps, on cherche les lunes, hein. Ah, on va prendre le petit chip. Mais ici, il nous faut encore deux croissants de lune, mais je sais pas où ils sont. Où est-ce qu'il pourrait être à votre avis? Croissant de lune. Oh non, pas... Ah, putain. Non! Je me disais bien qu'on n'était pas encore allé là-bas. Et là, il y a quelque chose ici. Vous avez vu, hein? Allez, vas-y, rentre. Ça, les gars, c'est un niveau bonus. Y'a rien à faire par ici? Ah, faut toujours venir dans les endroits du départ. Voilà. Oh, je connais ces petits monstres. Ils y sont dans Super Mario 3D World. Mais malheureusement, on ne peut pas les toucher. Allez, va une fois voir ce qu'il y a ici. Ah, des petites pièces. Oh, j'ai failli, hein. Allez, vas-y. Hop. Qu'est-ce que nous avons ici? Là, il faut que j'arrive à choper un passage.
Voilà. Hop. Oh shit. Oh. Ok, il faut d'abord faire ça. Oh là, il y a quelque chose. Est-ce que vous l'avez vu? Ah. Non. Reviens ici, vas-y, descends. Oh. Je vais aller là-haut. Allez, vas-y. Oh putain, j'ai failli tomber. Ah ah, un coffre. Oh, une lune. Yes. Encore plus d'acrobatie. Je confirme. Ah non. Je les ai ratés. Bon bah c'est pas grave. Tant pis. On gagne une lune. Attends, on a obtenu deux lunes quand même dans ce truc. Ça sera assez, assez fou. Allez, on sort de là. Donc là c'est là où on était. Laissez-moi aller ici. Ah. Et encore une fois, je sais pas trop par où aller. Ah si, il faut aller là-dessus en fait. Ok. Bon, est-ce que vous êtes prêts les boys? Parce qu'on va se battre à nouveau contre un mini-boss. Ça va être stylé. Je les aime beaucoup ces boss dans le jeu. Ils sont vachement sympas. Oh, oh, oh. Aïe. Non, 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 mais pousse pas. Voilà. Nickel. Allez, cinématique. Qui va-t-on affronter maintenant? Je pense qu'on va affronter le grand ou le bleu. Non, moi je dis le grand. Ni, trop tard, on a déjà mis la main sur la robe de nacre. Elle est assortie au costume du patron. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Et voilà, j'avais dit que c'était le grand, les boys. Bon, lui, j'imagine ça doit être pareil, non? Voilà. Ah. Bon, c'est assez simple à comprendre au début, hein. Oh, oh. Paf. À moi les pièces. Donne-moi les pièces. Objectif, ne pas se prendre de coups. Hop. Yop là. Il est mort. Sonnez. Pauvre lapin. Oh, multilune, cool. J'adore tellement les couleurs dans le jeu. Yes. Donc là, on a dû récupérer donc la robe de nacre. Les demoiselles, bon, Capi, on va dire, et Peach sont en danger. Il faut les rattraper. Oui, merci, je le savais. C'est moi ou ça a changé de... Avec ça, on va s'envoler vers notre prochaine destination. Oui, je savais. Ok, merci, super. Qu'est-ce que c'est que ça? Prendre une photo de cet indice. Vous pouvez la consulter à tout moment. Prendre une photo de cet indice.
D'accord. Et je crois que je sais où c'est. C'est dans le pays des. Dans le pays de je sais plus quoi. Aïe! Y a quoi là-dedans? Oh, on peut retourner au pays des sables. D'accord, donc on a des petits raccourcis comme ça qui nous empêchent finalement de. Ah, attendez, là. Là, il y a quelque chose là. Ah merde, j'avais pas vu que. Ah, j'avais pas vu que la lune elle était en bas. D'accord. Voilà, je l'ai eu. Mais ce que j'aimerais avant de partir, les amis, c'est trouver les deux derniers croissants de lune. Vous savez, les jaunes là. Oh, regardez la porte ici, elle est ouverte. On peut y aller. On va y aller alors, du coup. Le crochet n'est plus là. Entrez donc, mon ami, entrez donc. Yeah! Pourquoi elle pleure? J'aimerais remettre tout ça en ordre, vous voyez, mais les pièces sont si lourdes que je n'arrive pas à les déplacer. Ah! Comment ça marche? Ah, c'est comme ça, non? Ah non, je crois savoir comment. Comme ça, comme ça, comme ça. Non, il faut qu'elle soit dans l'autre sens. Il faudrait que j'arrive à la mettre comme ça. Voyez le délire? Voilà! Comme ça. D'accord, donc on a des puzzles vachement stylés comme ça à faire. Allez, une lune de plus. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien. Oh merci, vous n'étiez pas obligé, voyez-vous. Bah si, quand même un peu, hein, c'est quand même des lunes. Alors, on a la possibilité d'avoir encore une lune, mais il faut que je trouve ce croissant là, ce petit croissant de lune jaune. Oh, regardez la robe de nacre, est-ce qu'elle est pas là? Ah, je sais pas en fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça là? Oh, un croissant de lune! Yes! Bah, j'en ai trouvé un, c'est cool. Bon, il faut qu'on trouve le dernier, les gars. Ah, mais c'est pas lui qui l'a là, je suis sûr, on peut lui parler à lui, non? Où est-ce que ça pourrait être? Attendez, on va se transformer en chip-chip, on va chercher en chip-chip parce que sinon ça va être la merde. Toi là, viens vers là. Ah là, merci bien. Ah non, non, non. Voilà. Je trouve ce croissant de lune. Ah, j'étais déjà allé ici. Ah non, il a disparu. Ah, il est où le dernier croissant de lune? Tous les coups, il est en dessous d'une.
Je ne le vois pas. Non, il est pas là. Petit croissant de lune. Aïe. Bon, attends, je t'ai attaqué. Bon, bah, ça me dit toujours pas où c'est. Là, y a rien à faire ici, là. Ah, il est forcément quelque part. Peut-être qu'il est là. Non, il peut pas être là-dedans. Ah bah voilà, il était là. Je t'ai pas allé regarder ici. Ou alors je t'ai regardé dans l'épisode précédent, mais je l'avais pas pris. Voilà, bah comme ça on a une lune. Nickel. Allez. Comme ça on peut partir les amis. Tac 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 tac. Yes. Eh, je crois qu'on a trouvé toutes les lunes quasiment de... Ah non, on les a pas toutes trouvées. Mais on en a trouvé déjà pas mal. Je pense qu'après ça doit être certainement des lunes vraiment très très secrètes. Genre là, où est-ce qu'il pêche lui là? Oh! Lancez ligne! Oh! Je crois savoir ce qu'il faut faire. Peut-être attendre que ça morde. Ah, il y a obligé quelque chose à faire ici, non? Ah, obligé, il y a une lune ici. Non, tu veux pas me... Bon, bah écoutez. Je sais pas trop comment ça marche. Allez les boys. Il est temps de partir. On a quand même pas mal de lune, hein. Ça c'est assez stylé. Oh oh. Ouais, je pense qu'il y a assez là. Ouais. Ah oui, regardez, à chaque fois il y a une autre voile qui se forme. L'Odyssée a gagné en puissance. Alors où est-ce qu'on peut aller? On peut se rendre au pays de la forêt. Peut-être que Bowser est là-bas. C'est parti! Tellement stylé ce jeu. Alors, qu'est-ce que Capi va nous dire du coup? Ben,
Voler une rampe de nacre pour convoler. C'est tout de même un comble. Allons vite secourir nos demoiselles. Bon. Si on profitait du voyage pour faire un petit peu de lecture. Truc de voyage, lancer circulaire. Vous êtes entouré d'ennemis et ne savez pas où donner la tête. Inclinez la manette pro sur le côté pour effectuer une charge circulaire et tout balayer autour de vous. C'est bon à savoir, non? Et maintenant, je voudrais en savoir un peu plus sur le pays de la forêt. Apparemment, ils font pousser des fleurs dans une serre géante et la région serait célèbre pour son bouquet d'exception. D'accord, bouquet d'exception qui a été effectivement, j'imagine, volé comme par hasard par Bowser. Sinon, Capi, nous en parlerait pas. Pays de la forêt. Verdure sur vapeur. Alors par contre, va falloir qu'on change de tenue. Hein. Sur le chemin du jardin céleste. Oh, une plante piranha. Et voilà. Bon, bah écoutez les amis, c'est sourd, pas vraiment silencieux cette fois, on dirait. Effectivement. Bon les amis, c'est sur cet épisode numéro 5 qu'on va se laisser. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant, comme d'habitude, le pouce bleu. Je sais que vous en avez certainement marre que je dise à chaque fois la même chose, mais c'est très important de laisser des likes, hein. Ça permet de faire monter la chaîne en statistiques, etc. Vous le saviez. Et donc, du coup, voilà. Sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous la fois prochaine pour continuer notre aventure sur Super Mario Odyssey. Et puis, en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. C'est Ike Knight, and see you next time for the next episode. Oh yeah! Faudra qu'on change de tenue la prochaine fois, parce que ça fait complètement con. Ça, c'est marrant, à chaque fin d'épisode, il monte ses yeux, tu sais. Allez, bisous tout le monde!